Salut. Donc on vous retrouve pour un vlog plus haul sur Primark parce qu'on est allé ensemble à Primark. Il a ouvert le 16 décembre. On est allé le 31 décembre. Donc on a pris un peu des vidéos et des photos de dans Primark, avant Primark, dans et tout le ça. Centre, tout et tout. Donc on vous montrera tout. C'est un magasin qui vend plein de choses, donc des accessoires, des choses pour la maison, des vêtements, des chaussures. Hommes, voilà. Femmes, enfants. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Et il y a énormément de choix. Le magasin est juste énorme. Ouais. On a eu 3 heures dans le magasin. Bon, quand on est cabine et tout, bien sûr. Mais... Et encore, il y a plein de choses, je suis sûre qu'on n'a pas encore vu. Oui. Parce qu'on a eu du mal à faire tout le tour, plus le milieu, plus le milieu. Enfin, c'était très éparpillé, on ne savait pas trop comment s'y prendre. La chance qu'il n'y avait pas beaucoup de monde parce que... Ah voilà. Oui, on a eu beaucoup de chance. Enfin, encore pas beaucoup de monde, c'était quand même beaucoup chez eux. Enfin bref, ouais. Du coup, si vous recherchez des pyjamas, franchement, c'est pas ce qui manque là-bas. Ah ouais. Donc voilà, donc on vous montre nos achats. On va vous mettre un petit morceau de vidéo pour vous montrer un petit peu quand on est arrivé, le magasin et tout. Et on vous retrouve de suite pour vous montrer ce qu'on a acheté. Direction Grand Littoral. Marseille. Marseille. Primark. À de suite. Jessica, nous allons à Primark. Waouh, il y a un peu. Il n'y a pas de queue. Il n'y a rien à manger sur la terre. Et là, on va, Jessica, à Primark. Voilà. Donc, déjà, comme on vous a dit, il y avait énormément de choix de pyjama. Et puisqu'il m'en fallait un, j'en ai pris un. Donc je l'ai payé une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. L'ensemble, oui. Alors, déjà, c'est mais tout doux, c'est impressionnant. Quand vous êtes dedans, mais c'est trop beau. Et bon, voilà, voici le bas. Donc c'est un petit fléopard rose. Voilà, donc il est assez long, hein. Parce que bon, voilà. Et la taille, je crois que c'était du S ou quelque chose. Regarde l'étiquette. Donc voilà, c'est du S. Ah, bon, après j'ai demandé à une vendeuse parce que bon, il y avait tellement de choix. Mais voilà, il est vraiment hyper hyper doux. Et le haut, donc il est comme ça. Donc il est gris. Dedans, bah, c'est assorti au bas. Et il y a écrit Let's Get Cozy. C'était vendu ensemble, donc comme je vous dis, c'était une dizaine d'euros. À peu près. Voilà, donc ensuite, on a pris toutes les deux des chaussons, donc des pantoufles, enfin, je sais pas comment dire, et fourrées à l'intérieur, donc noir. Il y en avait aussi en beige avec blanc la fourrure. Voilà, elle faisait 7 euros, je crois. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et j'aime trop dedans, c'est fourré, on est trop bien. On a pris chacune une. Alors ensuite, moi, c'est un cadeau pour mon anniversaire. Donc, petit clin d'œil à Charlotte, hein, parce que c'est elle qui me l'a acheté. Le prix, je sais pas du tout. Mais en fait, c'est un petit porte-monnaie tout mignon, rose, en silicone. En silicone, bien sûr. Franchement, je l'ai pas vu, moi, dans le magasin. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas fait tout. Il est vraiment tout mignon. Et elle m'a acheté aussi, je crois que c'est même chez Primark aussi, un collier long, hein. Avec un petit cœur comme ça en bronze, elle est vraiment trop mignon aussi. Donc je connais pas les prix, mais voilà, un petit exemple de ce que vous pouvez trouver. Ensuite, bon, j'ai pris un ensemble de sous-vêtements, mais bon, je vais pas vous montrer. Je voulais des chaussettes hautes, et en fait, bah, je me suis trompée, j'ai pris des collants. Donc truc banal, hein. Voilà, des collants. Mais je vais les couper et ça fera des chaussettes hautes. Quand... Donc ensuite, on a pris des pincettes épilées comme ça, où il y a écrit Love, donc elles sont roses, et vous en avez plusieurs, je crois qu'il y en avait des zébrés ou un truc comme ça, et on les a payés 1,50€, donc voilà, c'est tout mignon. C'est pas du tout grand chose. Voilà. Ensuite, ben moi, j'ai pris des ballerines parce qu'en fait je suis bac professionnelle et donc des fois ils nous demandent une tenue pro. Je déteste les ballerines et j'ai trouvé celle-là plutôt mignonne, donc voilà, elles sont comme ça. Il y a des petits cœurs dedans. Mais c'est pas grave, il y aura mon pied, on verra pas. C'est du 37, hein. Bon, par contre, essayez bien parce que ça taille un peu grand. Donc moi j'ai des semelles et tout dedans, donc ça passe, mais sinon voilà. Et je les ai payés 8€. Ensuite j'ai pris ce haut vert en soie, enfin ben voilà quoi, c'est une matière un peu bizarre. Voilà, il y avait en plusieurs couleurs. Là c'est un vert canard un peu, en taille 36. Il y a plusieurs tailles dessus, hein. Du 8 il y a marqué, du 34. Ouais, c'est et faut demander à des vendeurs parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Et surtout essayer. La manche est comme ceci, donc avec un petit bouton là.
Et voilà, c'est vraiment super joli, avec un petit jean comme ça, c'est trop mignon. Donc voilà, il y avait plein de couleurs. Il y avait du rouge, du marron, du blanc, du noir, enfin, de tout quoi. Mais moi j'ai choisi vert. Donc voilà. Moi j'ai pris ce bandeau, donc j'ai laissé le cintre. Bon, c'est un petit bandeau noir pour l'été, pour mettre dessous des débardeurs qui sont assez larges, des robes, tout comme ça. Donc en dentelle derrière. Il est trop joli. Bon, il me va un tout petit peu serré, mais bon, j'avais la flemme de l'échanger. Il fait 3,50€. Elle a pris le même, mais en beige. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce que je porte à ce moment même dans la vidéo. Donc, c'est une chemise courte et elle est rose, donc il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du noir, du bleu. Voilà, donc elle est fluide aussi, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous avez des cols comme ça, avec des genres de... De clous, voilà. C'est vraiment trop mignon. Donc, je l'ai payé 13€. Et ensuite, c'est pas fini. J'ai pris ça. Alors ça, c'est pareil. C'est doux, mais un truc de foufou. C'est une veste comme ça. Donc bon, moi, je ne me vois pas sortir au lycée avec ça. Mais c'est pour la maison et c'est trop mignon. Donc c'est une petite veste comme ça, toute douce, hein, comme je viens de vous dire, avec deux petits pompons ici, poche et tout. Voilà le dedans. Et je l'ai payé 14€. C'est pas du tout cher. C'est génial. Franchement, moi j'en ai eu pour 27€ au total. Ce qui est pas grand chose puisque j'ai pris pas mal d'articles quand même. Bon, moi j'ai payé avec ma mère parce qu'elle s'est pris des choses. Donc on en a eu pour 100€. Mais on a pris beaucoup de choses. Moi je vous ai pas montré, j'ai pris des chaussettes, le bandeau. On a pris plein de choses et c'est pas revenu cher franchement. Donc voilà, si on peut vous donner une idée un peu, c'est dans le même style que Babou, Marseille, plein de campagne. Oui, il n'y en a pas que là-bas d'ailleurs, mais voilà, dans le même style, en amélioré, je dirais, plus rangé. Il y a beaucoup de vendeurs, mais partout, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher où vous allez, il y en a trois à chaque mini rayon limite. Je trouve qu'avec le monde qu'il y a, le magasin est très bien tenu. Franchement, il n'y avait rien par terre, il n'y avait rien qui traînait aussi. L'organisation des cabines, c'était un truc de fou. On dirait qu'on rentrait dans un labyrinthe. Une organisation, mais vraiment, mais géniale. Compter nos articles, nous enlever ce qu'on n'essaye pas, et garder nos sacs dans un casier. Aux caisses aussi, vous avez des queues et vous avez une rangée de caisses. Et donc vous attendez là. Il y a un écran haut qui dit comme quoi une caisse est libre et que vous pouvez y aller. Donc ça aussi, c'est vraiment bien fait. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu, moi non plus. Ouais. Donc voilà. Fou. Moi j'ai trouvé que c'était très restreint au niveau des décorations maison. Voilà, donc c'est fini pour ce haul vlog. On espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous, commentez, etc., etc. Tout ça. Et puis voilà, nous on vous dit à bientôt. Et on vous retrouvera prochainement dans une autre vidéo. Voilà, gros bisous.